un endroit assez magique, reposant, un endroit assez culte également. Il y a plein de promenades, il y en a vraiment pour tout le monde, pour les petits, les grands. Plein de promenades autour, les bâtiments sont très jolis, on a toute une partie historique. La citadelle est très jolie également le soir, quand elle est illuminée, surtout en période d'hiver. C'est vraiment très très joli. Et puis ensuite, on a notre site d'Acrobranche, où c'est un lieu vraiment d'activité et qui peut être en même temps très reposant. Quand les clients le soir sont partis, ce qu'on adore, c'est s'asseoir et boire un coup entre équipe, au niveau de l'équipe. Un moment de paisible et de repos. Bon, Alex. On est sur un endroit vraiment magique ici, très, très paisible. Et puis on peut imaginer un petit peu tout ce qui a pu se passer à l'époque de la construction également de la citadelle. Ça devait être assez compliqué à l'époque. Il devait y avoir des centaines et des centaines de personnes pour construire tout ça, qui normalement n'a servi à rien, l'a fait l'inutile. Alors, est-ce que ça a servi à rien, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Je pense que c'est heureusement. Mais aujourd'hui, on hérite de ce site magnifique et on peut en profiter pleinement.